La soirée était dédiée au compositeur français d'origine libanaise Gabriel Yared, qui pouvait réunir les actrices Alexandra Lamy et Clotilde Courau, les chanteuses YKLNA et Catherine Ringer, la chorégraphe Caroline Carlson, et les réalisateurs Patrice Lecomte et Costa Gavra. Réponse: le compositeur français d'origine libanaise Gabriel Yared, à qui la Philharmonie de Paris rendait hommage à l'occasion du week-end des musiques à l'image, les 9 et 10 décembre 2017. Outre l'hommage à Steven Spielberg, l'autre héros de ce court festival était donc Gabriel Yared, 68 ans, lauréat d'un César pour la musique de l'amant en 1993, et d'un Oscar pour la partition du patient anglais en 1997. Samedi soir, dans la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris, un concert était organisé. Interprété par le London Symphony Orchestra, il était dirigé par Dirk Brossé, compositeur belge, et Gabriel Yared, avec Catherine Ringer et YKLNA au chant, Jean Jomozani au bandoneon, et le Louis Morizon au saxophone. Le concert a été conçu par Yared, et mettait à l'honneur quelques-unes de ses plus belles bandes originales. De nombreuses personnalités ont assisté à l'événement, comme la chanteuse Enzo Enzo, qui chante à juste quelqu'un de bien, l'actrice Gabrielle Lazur, les rockeurs Jean-Louis Aubert et Francky Jordan, le journaliste Laurent Weil et l'ancien directeur de la Cinémathèque française Serge Toubiana. Gabriel Yared a également pu compter sur la présence d'anciens collaborateurs comme Patrice Lecomte, pour qui il a signé la musique d'Une promesse en 2013, Costa Gavra pour Anaka. En 1983, Étienne Châtillier pour Tati Daniel en 1990, et la chorégraphe Caroline Carlson, qui a beaucoup fait appel à ses talents pour ses ballets. Ces dernières années, Gabriel Yared a collaboré avec Angelina Jolie, au Pays du Sang et du Miel en 2010, Vue sur la mer en 2015, et Xavier Dolan, Thomas Laferme en 2013, Juste la fin du monde en 2016, et The Day After Life of John et Donovan en 2018.